Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, assisté de Marie-Françoise. Cette émission est diffusée en direct lundi 11 avril 2011 de 18h à 21h, en différé mardi 12 avril 2011 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Claudio. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Marie-Françoise, merci Claudio qui réalisait cette émission. Je dis bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent en direct. Bonjour à ceux qui nous écouteront demain matin à partir de 7h30 et bonne nuit à ceux qui nous écouteront à partir de 2h du matin. Nous allons tout à l'heure avoir notre rendez-vous politique de la réinformation à partir de 19h30 pour ceux qui nous écoutent en direct. Et nous nous demanderons si on va diaboliser Marine Le Pen, si l'UMP va éclater, si le Parti Socialiste a changé, si les écologistes peuvent gagner. Voilà le genre de questions que nous nous poserons avec Jean-Yves Le Gallou, Henri Dubost et Laurent Arthur Duplessis. Mais pour l'instant, nous n'avons pas totalement quitté la politique, mais nous allons parler de littérature et d'un auteur que David Alliot, que j'ai le bonheur de recevoir, qualifie d'auteur sulfureux. Sulfureux. Alors, je n'ai pas reçu des invités sulfureux, je reçois aujourd'hui des spécialistes, de grands spécialistes de cet immense écrivain qui s'appelle Céline. Je viens de citer David Alliot, qui est l'auteur de Céline, idées reçues sur un auteur sulfureux, aux éditions du Cavalier Bleu, qui est éditeur et journaliste, et qui a écrit d'ailleurs 5 ou 6 ouvrages sur Céline avant celui-ci. N'est-ce pas, David Alliot? Tout à fait. Et puis le biographe de Céline par excellence, Maître François Gibault, qui est un maître du barreau, qui a non seulement le titre de maître comme avocat, mais qui est un maître du barreau, un avocat d'immense réputation, mais qui, dans ses moments perdus, a consacré du temps à Céline, à Louis-Ferdinand Céline, et c'est le biographe de Céline. Alors vous nous direz peut-être, parce que je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie se demanderont comment un grand avocat est venu à plonger dans la littérature et dans la biographie, mais vous êtes aujourd'hui, avec David Alliot, donc l'un des grands maîtres des études céliniennes, la référence en la matière. Et j'avoue que ce qui m'a donné envie particulièrement de vous inviter et de traiter le sujet « A-t-on le droit de célébrer Céline ?» Bon, c'est d'abord le fait qu'apparemment on n'a pas le droit de le célébrer puisque il a été ôté, son nom a été ôté de la liste des célébrations officielles pour 2011, alors que on devait fêter le 50, enfin fêter, pardon, commémorer. Certains diront fêter, mais moi je dirais commémorer le 50e de sa mort en 1961. Et c'est aussi la publication d'un hors-série du Figaro, Céline, une saison en enfer, qui a été mise en œuvre par Vincent Trémollet de Villers, ici présent. Alors je réponds tout de suite pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui se poseraient la question, c'est le fils de l'autre. Hein. L'un des fils. Oh ben, d'accord, mais d'un Trémollet de Villers, l'autre, peut-être. Et donc, il est Vincent Trémollet de Villers, et journaliste, rédacteur en chef adjoint des hors-séries du Figaro, et avec Michel de Gégère, qui est le directeur des hors-séries du Figaro, ils ont fait ce nouveau hors-série, enfin, ce nouveau, en attendant le suivant, qui est déjà sorti, d'ailleurs, oui, déjà publié sur Manet, mais là, nous parlons de Céline, une saison en enfer. Et il y a, évidemment, des collaborations, des articles, en particulier de nos deux invités supplémentaires, c'est-à-dire de François Gibault et de David Alliot. Autrement dit, tout ce que vous voulez savoir sur Céline se trouve dans ce hors-série du Figaro, mais évidemment, ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'on peut découvrir en lisant les ouvrages de David Alliot et de François Gibault. Alors, le dernier ouvrage de David Alliot, c'est Céline, idées reçues sur un auteur sulfureux. Et François Gibault a écrit une biographie de Céline, qui s'appelle tout simplement Céline. A-t-elle été rééditée? J'en suis resté à l'édition de Mercure de France. Non, elle est rééditée chaque fois qu'un volume s'épuise. Il y a 3 volumes. Chez qui? Au Mercure de France. Toujours au Mercure de France. Donc Céline, au Mercure de France, par François Gibault. C'est la biographie. Il n'y a pas, je crois, de concurrence véritable.
dans ce domaine, de cette personnalité sulfureuse, mais surtout extrêmement complexe, extrêmement riche, et que l'on découvre notamment dans ce Figaro hors-série que je vous invite à lire. Et je vous invite à lire ce Figaro hors-série notamment parce qu'il y a les contributions de François Gibault et de David Alliot et de Vincent Tremblay-Villers, mais aussi, comme il est sur la route et qu'il ne nous écoute pas, Michel de Gégère, qui interviendra tout à l'heure au téléphone, a fait un éditorial qui, je dois dire, est un morceau d'anthologie qui est absolument admirable, et je vais peut-être, si vous me le permettez, en lire quelques extraits pour que l'on comprenne exactement comment se situe le problème. Nous a-t-on assez ressassé, dit Michel de Gégère, et jusqu'à la nausée, que la morale ne faisait pas bon ménage avec l'art, et qu'on ne faisait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. On s'était habitué seulement à ce que ne soient bafoués que les principes de la bourgeoisie d'avant-hier. Rien de tel pour Céline, car ce que ses convictions, ses pamphlets, son comportement sous l'occupation blasphèment, c'est le peu qui nous reste, après un siècle de désastre et la destruction de tout ce qui avait pu entretenir, depuis qu'on a vidé le ciel, l'illusion d'une cohérence de l'histoire, d'une marche de l'humanité vers le progrès et la raison, l'idée que, faute de savoir désormais définir ce qu'est le bien, nous pouvions au moins identifier le mal, resterait notre communion, par la condamnation du racisme et de l'exclusion, le refus de tout ce qui revient à désigner une part de l'humanité comme bouc émissaire des malheurs du temps. Je continue la citation de Michel de Gégère. On peut toujours prétendre que les Juifs, dont Céline a fait le procès dans ses livres de 1937, Bagatelle pour un massacre, et 1938, L'école des cadavres, appartenaient à ses yeux aux puissances d'argent plus qu'au monde des humbles, mais ceux de 1941 et de 1943 datent de la dernière réédition de Bagatelle pour un massacre. Point d'interrogation. Fouiller le tréfonds des âmes et mis en scène le vertige de... Voilà ce qu'a fait Céline. Il a fouillé le tréfonds des âmes et mis en scène le vertige de la condition humaine avec une intensité sans exemple. Donner naissance à une profusion de personnages picaresques dont les silhouettes, les mille voix particulières font de son œuvre romanesque un immense opéra, accumuler au fil des pages un nombre impressionnant d'observations, de notations sur les ridicules et les impostures de la vie sociale, les aléas d'histoire, les trahisons de la vie, le vieillissement des êtres, dont la justesse saisit le lecteur de stupeur et d'admiration, fait sourdre au cœur des ténèbres un humour dévastateur qui le maintient dans un état de jubilation permanente. Et pour compléter cette introduction donnée par Michel de Gégère, je vais citer David Alliot qui, dans Céline, idée reçue sur un auteur sulfureux, nous explique que tout le monde, finalement, aujourd'hui, admire Céline. Y compris une personnalité qui n'aime pas la princesse de Clèves ni Madame de Lafayette, qui n'est autre que Nicolas Sarkozy. Et qui dit, cité par David Alliot, « La lecture m'offre mes seules plages de calme. Tenez, prenez Céline. Voilà un homme qui n'était qu'un médiocre médecin de banlieue. Un jour, il écrit « Voyage au bout de la nuit ». 4 éditeurs refusent son manuscrit, un 5e l'accepte. Le voilà devenir autre chose, cela me fascine. » Autre admirateur déclarait, Édouard Balladur, à l'époque Premier ministre, « Je ne lis jamais de romans, je préfère les mémoires, les essais ou les biographies, exception pour Céline, j'ai une véritable passion pour lui. » Alors, peut-on comprendre qu'il n'y ait pas unanimité, puisque M. Balladur et M. Sarkozy, François Gibault, ont l'un et l'autre expliqué que Céline était une référence littéraire incontournable. Comment a-t-on pu contester l'inscription de Céline au palmarès des commémorations nationales de 2011. François Gibault. Alors, c'est une question tout à fait intéressante. Le ministre, comme vous le savez, j'étais présent, a exclu Céline des célébrations nationales parce qu'il était inscrit dans le livre. Hein. J'ai même le livre, ça va devenir une rareté, ça va valoir très cher bientôt, les célébrations nationales comprenant Céline. Ce qu'il faut rappeler tout de même, et la personne ne l'a dit, c'est que Frédéric Mitterrand a fait un très beau discours à cette occasion. Et qu'il a rendu un hommage incroyable, appuyé, formidable pour Céline. Hein, avant de dire que finalement, pour des raisons X ou Y, il avait décidé de le supprimer des célébrations nationales. Mais il a fait un très très beau discours sur l'écrivain. Hein, et j'aimerais bien qu'on en parle et qu'on le publie. Alors, fallait-il ou ne fallait-il pas supprimer Céline de cet annuaire des célébrations nationales? Le mot célébration est d'ailleurs
tout à fait équivoque. On pouvait en employer un autre. Bon, on pouvait commémorer tout simplement. C'était moins fort. En tout cas, fallait-il ou ne fallait-il pas? Moi, j'ai dit à Frédéric Mitterrand qu'il avait eu raison, qu'il fallait éteindre l'incendie. Alors, bien entendu. Parce qu'en plus, je lui ai dit que Céline n'avait rien à faire d'être célébrée par l'État français. Il est célébré par ses lecteurs, dans le monde entier, par les étudiants, par les professeurs qui travaillent sur son œuvre. Et ça, c'est le plus important que de figurer dans un annuaire de célébration nationale, dans lequel d'ailleurs il y a un certain nombre d'inconnus. Ce qui est amusant, c'est que je pose la question à des gens, savez-vous qui est dans l'annuaire 2011 des célébrations nationales? Les gens disent non. On ne parle finalement que de celui qui n'en fait pas partie. Alors ça me réjouit, c'est célinien, c'est tout à fait réjouissant. Ah, je crois que Céline aurait trouvé ça extraordinaire s'il le savait. Non, il le sait peut-être dans l'au-delà. Mais il aurait ri. Jubilé. Il aurait jubilé de ce ridicule que s'est donné l'État. D'autant que je disais que c'est célinien, mais c'est la répétition de ce qui s'est passé au prix Goncourt. Il y a 1932. Il y a qu'à Céline qu'il arrive des coups pareils. Rappelez-le, parce que tous les auditeurs de Radio Alors, en, sont en 1932, dans l'esprit. Année de la publication, fin de l'année, année de la publication de Voyage au bout de la nuit, Céline est très bien placée, le prix Goncourt, le Goncourt se réunit, et il décide de voter pour Voyage au bout de la nuit. Certains hésitent, est-ce qu'on se prononce tout de suite, ou est-ce qu'on attend la date prévue, c'est-à-dire 8 jours plus tard. Et ils disent, on n'a pas les journalistes aujourd'hui, on se prononcera dans 8 jours. Et 8 jours plus tard, évidemment, c'est plus Céline, c'est un autre, c'est l'auteur des Loups, Guy Masline, mauvais livre et écrivain totalement inconnu. Ensuite, ça se reproduira une autre fois. En effet, un ministre de la Culture a décidé de classer, pas classer monument historique, mais classer comme monument de mémoire, je ne sais pas comment ça s'appelle, la maison de Céline à Meudon. Et puis 8 jours plus tard, parce qu'il y a eu un tollé, il y a eu un Serge Klarsfeld qui a écrit... Arnaud ou Serge, parce qu'ils plusieurs, sont plus funestes l'un que l'autre. Il y a deux Klarsfeld, le père et le fils. C'est Serge qui a écrit là au ministre de la Culture, je crois. Il me semble bien. Arnaud, c'est le fils, il est avocat. Le père aussi. Et alors, à ce moment-là, on a décidé de déclasser la maison de Céline. Alors là, il est dans les célébrations nationales. Une semaine, la semaine suivante, il n'en fait plus partie. C'est tout à fait célinien. David Alliot. Tout à fait. Je rejoins le raisonnement de Maître Gibault. Ce qui fait la célébration d'un auteur, ce sont ses lecteurs. Et je peux comprendre que les célébrations nationales ont un intérêt, par exemple, pour des auteurs peu connus ou qui ont besoin d'être mis un petit peu sur le devant de la scène. Ça favorise les études, les colloques, choses comme ça. C'est très bien. Mais pour un écrivain comme Céline, finalement, il n'y a jamais eu... Enfin, on va dire depuis 20 ans, on est au plus haut. C'est-à-dire que les colloques s'enchaînent, les publications s'enchaînent également, les hors-séries, les articles assez régulièrement. Il n'y a jamais eu réellement besoin d'actualité pour que Céline soit, on va dire, au premier rang. Ce qui fait la vitalité d'une commémoration, ce sont ses lecteurs. Et de ce côté-là, Céline est plutôt bien servie, oui. David Alliot, vous dites dans votre ouvrage « Céline, idée reçue sur un auteur sulfureux » que quand même Céline a connu une certaine éclipse dans... Non pas à l'université, mais dans la critique, ou dans les commentaires, ou dans les éditions, pendant quelques années. Oui, c'est peu après sa mort, en fait. Après sa mort, en 1961. Il était revenu sur le premier plan littéraire avec, effectivement, D'un château l'autre et Nord, qui est un extraordinaire roman. Alors, D'un château l'autre, vous me disiez hors antenne, avant cette émission de Radio Courtoisie, que c'est lui qui a inventé cette expression de mauvais français consistant à supprimer la préposition « à ». C'est le premier à l'avoir utilisé. D'un château à l'autre, en bon français. C'est pour exprimer la vitesse. On n'est pas forcé de répéter les fautes d'un grand auteur. C'est pas une faute, c'est volontaire. C'est fait exactement pour la vitesse, la rapidité, pour aller plus vite finalement, pour aller à l'essentiel, d'un château à l'autre. Et puis finalement, ça sonne plutôt bien. Donc effectivement, c'est lui qui l'a inventé. Le sens de la formule, c'est sûr. Le sens de la formule, ça c'est indéniable. Tous les titres de Céline sont très très forts pour ça, pour le... Le voyage au bout de la nuit, il faut reconnaître que c'est un titre extraordinaire. Au bout de la nuit, je suppose que ce n'est pas l'éditeur qui l'a trouvé, c'est lui. Ah non, c'est lui. On sait que par exemple pour Mora Crédit, il avait essayé plusieurs autres titres. Mais Voyage au bout de la nuit, j'ai pas souvenir d'autres essais de titres. Mais même Bagatelle pour un massacre, hein. C'est un titre absolument extraordinaire. Et il était doublé par une bande. Il y avait une bande sur le livre qui était sur laquelle on pouvait lire « Pour bien rire dans les tranchées ». Des formules choc. Alors, il faut dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que Bagatelle pour un massacre est introuvable, sauf chez les bouquinistes.
Et vous dites d'ailleurs, David Alliot, que rien n'empêchera en 2030 et quelques, lorsque il sera libre de droit. Dans le domaine public. Qu'il soit dans le domaine public. Mais alors là, je parle sous le contrôle de l'avocat maître François Gibault. Je pense que vous avez tort, David Alliot, parce que. Peut-être. Non, mais parce que c'est un livre violemment antisémite. Mm-hmm. Et dont la publication aujourd'hui tombe sous le coup de la loi, évidemment. L'auteur d'un livre tel que celui-ci serait mis en prison immédiatement aujourd'hui. Bon. Enfin, l'auteur ou l'éditeur. Et comme, si je ne m'abuse, en droit de la presse, toute nouvelle publication fait courir un nouveau délai de prescription, à moins qu'on estime que c'est un monument littéraire et qu'on ne veuille pas le contester, je pense que l'éditeur qui publierait aujourd'hui ou en 2030, si la loi n'a pas changé, Bagatelle pour un massacre, serait condamnable. Je ne le pense pas parce que je crois que la loi ne vise que les inédits. De telle manière que dans le volume de la Pléiade, qui vient d'être publié, dans lequel il y a 1200 pages de lettres de Céline, vous avez des lettres qui sont violemment antisémites. Oui, mais alors je pense que la jurisprudence est indulgente parce qu'il s'agit d'œuvres littéraires, mais je vous assure, je connais un peu le droit de la presse pour l'avoir expérimenté, que toute nouvelle publication, que ce soit d'ailleurs sur Internet, par exemple si on publie un texte diffamatoire et que le délai de 3 mois est passé, la publication sur Internet du même texte fait rouvrir le délai. Oui, bien sûr, délai. Oui, toute nouvelle publication, oui, ça c'est normal, ça c'est la loi. Les Bagatelles pour un massacre, les Beaux draps, ce ne sont pas des nouvelles publications, puisqu'ils ont existé avant. Ah mais peu importe, la nouvelle publication d'un livre qui existait avant, non, ça, je parle de nouvelle publication, de nouvelle édition. Enfin écoutez, bon, je pense que juridiquement ça se discute... on peut attendre, puisqu'il faut 70 ans après la mort de Céline. Voilà. Donc, de Céline encore... ou de sa veuve de Céline, Céline, de Céline, de l'écrivain. 70 ans après la mort de l'écrivain, 70 ans après les livres qui ont été publiés post-mortem. Alors c'est soit la mort, soit la date de publication, si ce sont des livres publiés après la mort. Alors la question donc qu'il faut traiter d'emblée, c'est peut-on détacher les 3 pamphlets antisémites de Céline du reste de son œuvre? Le sujet est délicat, vous en parlez l'un et l'autre dans les deux ouvrages que j'ai cités. Le premier ouvrage, c'est le hors-série du Figaro sur Céline, qui est dans les kiosques aujourd'hui, Vincent Trémolet. Oui, il est toujours dans les kiosques pour encore un mois et demi. Pour encore un mois et demi. Donc précipitez-vous pour l'acheter, c'est voilà. un numéro de d'anthologie qu'il faut garder, et ensuite ou avant, vous achèterez le livre de David Alliot, et bien sûr, pour aller plus loin, la biographie Céline de François Gibault. David Alliot, c'est Céline, il est reçu sur un auteur sulfureux. Édition Le Cavalier Bleu. Bon. Donc, la question que je vous pose à tous les trois, c'est, peut-on détacher ces 3 pamphlets antisémites du reste de son œuvre? C'est-à-dire, ça fait partie, évidemment, de l'œuvre de Céline, c'est incontestable. Question stupide, mais qu'il faut poser. Non, mais ça fait partie de l'œuvre de Céline, mais c'est quand même une partie à part, dans la mesure où l'œuvre de Céline, l'œuvre romanesque de Céline est entièrement autobiographique, pratiquement entièrement autobiographique, avec évidemment un travail d'écrivain, un travail de transposition, bon, à partir d'une réalité, Céline en fait quelque chose de romanesque, de complètement fou, d'exagéré, de noir, enfin, etc. Mais c'est donc une part à part, c'est une partie à part de l'œuvre, mais c'est une partie qui en fait incontestablement partie. Je suis désolé, je m'exprime très mal, je dis partie. Mais je pense être quand même assez clair, hein, c'est une part de l'œuvre de Céline. Voilà. Alors, elle est inaccessible, encore que on la trouve dans toutes les bibliothèques. Et on la trouve chez les marchands de livres d'occasion. Vous savez, il y a eu, je crois, 90 000 exemplaires de Bagatelle pour un massacre qui ont été vendus. Et on trouve aussi sur Internet. Et il y en a tout de même pas mal en circulation. David Alliot? Pareil, effectivement, l'œuvre de Céline, on ne peut pas diviser l'œuvre d'un écrivain. Alors, on peut contester certains aspects de cette œuvre, mais l'œuvre de Céline est entière et les pamphlets font effectivement partie de cette œuvre-là. Alors là où les pamphlets, il y a un élément qui les distingue aussi des romans, c'est l'attitude que, je parle sous le contrôle de François Gibault, mais l'attitude qu'a eu Céline vis-à-vis de ses pamphlets. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu qu'il soit réédité. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était prudent. C'était prudent, mais il a par là distingué ses œuvres en les déclassant un peu comme des œuvres de circonstance, pour laisser apparaître seulement son œuvre romanesque. Moi, je pense que c'était un écrivain avant tout, malgré tout ce qu'il dit, et qu'il avait discerner la différence qu'il y avait entre les deux. Donc, ça fait partie de son œuvre, c'est indiscutable,
Mais quand un écrivain dit qu'une partie de son œuvre ne doit pas être rééditée, même s'il avait été possible de la rééditer, c'est intéressant sur le jugement qu'il porte. Ouais, mais ça, c'est non, attendez, là, franchement, c'est une règle de prudence élémentaire. Hein. Oui, c'est lié à un contexte. Après la Seconde Guerre mondiale, il n'avait aucune envie que l'on publiât des ouvrages antisémites, c'est évident. Hein. Non, mais il pouvait y trouver une qualité littéraire, je ne sais pas. Et il a décidé que... Mais il me semble, d'après mes vieux souvenirs, car j'ai lu de Céline Bagatelle pour un massacre il y a bien longtemps, que la qualité littéraire est au rendez-vous dans cet ouvrage. C'est totalement délirant. Mais je crois d'ailleurs que vous le dites, il me semble, David Alliot. Bah, moi, ce que j'ai écrit, c'est qu'effectivement, il a mis son génie littéraire pour une cause qui ne le méritait pas, finalement. Et qu'en écrivant Bagatelle pour un massacre, il abandonne la rédaction de Casse-Pipe, qui était aussi ce qui aurait dû être son grand roman de la Première Guerre mondiale. Donc il l'abandonne pour écrire Bagatelle pour un massacre. Effectivement, il a mis son génie littéraire là-dessus. Il ne faut pas oublier que dans les années 30, ceux qui écrivaient du pamphlet antisémite, c'était quand même des docteurs un peu ratés, des gens un peu aigris, c'était vraiment des gens des troisième couteau. Les années 30, je ne sais pas, mais entre parenthèses, Édouard Drumont est un grand écrivain de la France, de la France juive 1890. Je veux dire, c'est de la grande qualité littéraire. Hein. Je veux dire, les pamphlets antisémites, lorsqu'on compare les races, les choses comme ça, où on fait des études anthropométriques entre les races, pour prouver, c'était quand même des petits fascicules, des choses qui étaient faites vraiment dans des cercles d'extrême droite assez précis. Là, pour la première fois, avec Céline, c'est un grand écrivain qui débarque dans ce domaine-là. Je veux bien. Gigot. Oui, bien sûr, pour écrire des pamphlets, mais enfin, dans le monde littéraire, les antisémites étaient très, 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 très nombreux, moi, bien je sûr. Sais pas. Et parmi les meilleurs écrivains de leur temps. Puis-je vous citer Maurras, Chardonne, Paul Morand, Rebattet, Jouandeau, le bon Jouandeau qui a écrit quand même un livre qui s'appelle Le Péril juif, dont personne ne parle jamais. Hein, Giraudoux, Bernanos, Drieux, Brasillac, c'était quand même pas des... Henri Véraud, Paul Morand, Jacques Chardonne. Oui, c'était pas des petits couteaux. Hein, c'était des gens très très importants, et voilà, et qui partageaient les idées de Céline. Mais qui ne se sont pas toujours exprimés de la même manière, évidemment. Ils n'ont pas écrit de pamphlets. On connaissait leurs opinions. Ah non, mais attendez, il y a des degrés dans l'antisémitisme. Je vous rappelle qu'avant la loi Pleven de 1972, la Cour d'appel de Paris avait relaxé un auteur de propos antisémites en estimant qu'il avait tenu des propos d'un antisémitisme raisonnable. Oui, ça c'est étonnant, c'est incroyable. Avant 1972. Donc c'est pour qu'il y a des degrés. Or, l'antisémitisme de Céline dans Bagatelle pour un massacre est hallucinatoire, c'est du délire total. Quoi. Ça lui retire beaucoup de sa force, beaucoup de gens ont considéré ça comme une... Ce n'est pas effectivement... Immense rigolade. Voilà, alors je rappelle les auteurs que vous citez, c'est page 93 du hors-série du Figaro, c'est cité donc par vous, François Gibault. De nombreux écrivains affichaient dans d'autres termes des opinions analogues sur l'antisémitisme. Giraudoux très clairement, je vous cite toujours, J. Descendrard plus subtilement, Charles Maurras évidemment, mais encore Jérôme et Jean Tarot, Bernanos, Jérôme et Jean Tarot qui étaient membres de l'Académie française l'un et l'autre, je crois, Bernanos, Jouandeau, auteur du Péril juif, Drieux à Rochelle, Henri Véraud, Robert Brasillac, l'a payé de sa vie, remarquez. Paul Morand, Jacques Chardonne. Ça fait quand même une belle brochette d'écrivains de qualité. Beaucoup de grands écrivains. Voilà. Mais alors, évidemment, ça, il faut replacer tout ça dans le contexte historique de l'époque. Hein. C'était avant la Shoah, avant les camps de la mort, avant les déportations, évidemment. Et ce sont finalement ce que nous avons vu, hein, ces déportations, ces horreurs qui sont la honte de l'humanité et qui ont donné finalement au pamphlet de Céline, un tour tragique qu'il n'avait pas quand il les a publiés. Voilà. Alors François Gibault, vous dites les pamphlets tout court, alors que, si je vous ai bien lu, il y a un quatrième pamphlet, qui est Mea culpa, pamphlet moins critiquable, je suppose, puisqu'il est anticommuniste. Et c'est le retour du RSS en 1936. De Céline. Alors pouvez-vous nous dire un mot de Mea culpa? Bah, c'est un texte très court qui a été écrit. En fait, Céline, pour se remettre dans le contexte de 36, Céline sort Mort à crédit en plein Front populaire. Le livre est plus ou moins pas très bien accueilli par la critique. Bon, après, il y a les grèves du Front populaire, donc Céline est un peu désabusée par tout ça. Et comme Voyage au bout de la nuit avait été traduit en russe par Elsa Triolet dans une version
largement tronqué. Céline part en URSS, déjà un pour se faire son avis certainement sur l'URSS, puis deux pour récupérer les droits d'auteur, parce que comme vous le saviez, à l'époque, l'URSS traduisait sans demander l'autorisation, et les droits d'auteur générés étaient à dépenser sur place en roubles qui n'étaient pas convertibles. Donc Céline se rend en URSS, donc à Saint-Pétersbourg, pour, on va dire, voir à peu près le paradis des travailleurs et pour essayer de récupérer un peu de ses droits d'auteur. Donc c'est comme, et en fait, il reste assez peu de temps, il reste un mois à peu près, trois semaines, un mois, et il rentre fin août, début septembre, il rentre en France, et aussitôt, il écrit, on va dire, dans le feu de l'action, il écrit « Mea culpa », un petit texte, effectivement, très polémique, très, très resserré, qui est beaucoup plus court que les autres, qui fait une trentaine de pages, et qu'il propose à De Noël et qu'il le publie dans la fin de l'année, quoi. Qu'il propose à Robert de Noël, lequel Robert de Noël a été assassiné en 1944 ou 45 ? C'est fin 44, je crois, 2 décembre 44. Hein ? Et bien qu'évidemment les éditions de Noël existent encore, mais le fondateur de la maison a été assassiné pour cause de collaboration. On n'a jamais su. On n'a jamais su. C'est un grand mystère historique. Il y a eu des procès, des informations judiciaires, des juges, des enquêtes de police. Et on n'a jamais su exactement qui l'avait assassiné et pourquoi. Alors prenons l'origine de l'œuvre de Céline. Il a écrit il était médecin, et c'est assez curieux puisque il a passé ses études médicales n'ont duré que 2 ans au lieu de 4, si j'ai bien compris. Oui, 3 ans. 3 ans au lieu de 5. Il a été ancien combattant. On leur donnait des facilités dans toutes les facultés. Ouais. Alors. Il a eu cette thèse avec mention très bien, alors que c'était une thèse littéraire sur Semmelweis. Alors j'aimerais que vous disiez qui était Semmelweis, parce que c'est un grand nom de la médecine, une histoire très intéressante. Et aussi vous me direz si à votre avis, la mention très bien doit quelque chose au fait qu'à l'époque il avait épousé la fille d'une sommité médicale. On peut toujours imaginer qu'il y a eu un peu de favoritisme. Ça sont les mauvaises langues qui disent ça. Je me permets de... Quand je vous lis, je me dis quand même que... Alors j'espère qu'il n'a pas épousé cette charmante jeune fille par opportunisme, qui était la première de ces trois femmes. Les étudiants, déjà à l'époque, faisaient des thèses littéraires. Ils le font de plus en plus maintenant, d'ailleurs. Et c'était un travail absolument remarquable. Hein, donc ça méritait la mention très bien, incontestablement. C'est un médecin juif, je crois, de nationalité hongroise, qui est très célébré en Hongrie encore. Il y a sa maison au bord du Danube est devenue un musée. Et Semmelweis, c'est un médecin qui, avec des raisonnements extrêmement simples, voulait lutter contre la fièvre puerpérale, laquelle faisait qu'il y avait un tiers des femmes en couche qui décédaient, à peu près. Au 19e siècle, un tiers des femmes en couche décédaient. Oui. Alors, à ce moment-là, Semmelweis dit, il faudrait peut-être penser à se laver les mains avant de travailler, avant d'aider une femme à accoucher. Alors que les fameuses infirmières, elles avaient fait une autopsie avant, elles avaient soigné un malade contagieux après. Bon, donc, on ne se lavait pas les mains. Et alors, dans son service, il existe qu'on se lave les mains, de telle manière que la mortalité va chuter assez considérablement, et il sera la risée, c'est une espèce de martyr de la science, hein, il sera la risée de tous ses confrères, et finalement, alors Céline... Dans le livre, le fait se suicider, hein, il finit en se suicidant, alors qu'en réalité, en soignant une patiente, il se blesse avec un instrument, un bistouri, je crois, et il contracte la fièvre puerpérale et il en meurt, voilà. C'est un vrai martyr de la science. Mais le livre de Céline, la thèse, c'est une biographie absolument extraordinaire, admirablement écrite dans un style tout à fait classique, et qu'il faut lire absolument. Oui, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que c'était avant Pasteur qu'on ne savait pas le rôle des microbes, et donc, en fait, avant Pasteur, Semmelweis a découvert empiriquement que l'on pouvait diviser par 10 ou davantage la mortalité périnatale, comme on dit aujourd'hui, due à la fièvre puerpérale des femmes en couche, en se lavant les mains tout bêtement. Voilà, avec du savon. Céline a été fascinée par la vie de Semmelweis, et il a consacré sa vie de médecin, car à côté de sa vie d'écrivain, il a eu une vie de médecin, en fait, à l'hygiène. Il était très obsédé. Oui, c'est hygiéniste. Très hygiéniste. Très hygiéniste. J'ai vu
une ordonnance de Céline disant, pas question de médicaments, il avait écrit simplement pas de café, pas de vin, pas de tabac. C'est tout, le reste... C'est des très bons conseils. Tant pis, Samuel Weiss offre quand même plusieurs points communs avec la vie de Céline. C'est quelqu'un qui a raison avant les autres. Certains, Samuel Weiss a été un des premiers à expérimenter et avoir raison. Il a été persécuté. Donc il y a quand même des thèmes très céliniens aussi dedans. Puis effectivement, c'est remarquable d'écriture. La première page de Samuel Weiss, c'est extraordinaire. Quoi. C'est déjà un grand ouvrage. C'est le premier de Céline et c'est déjà un grand ouvrage. C'est un grand ouvrage. Mais Céline écrivant, on le trouve dans les lettres de jeunesse, vous savez. Bien avant Samuel Weiss, hein, il suffit de lire les lettres qu'il écrit à ses parents dans sa jeunesse. L'écrivain est là, sous-jacent. Mais je doute que dans une thèse soumise à un jury de faculté, il ait employé le style de Voyage au bout de la nuit. Non, c'est un style plus classique. Absolument un classique, un merveilleux français. Donc il pouvait aussi employer une langue classique qui était très belle. Mais la langue du Voyage au bout de la nuit est une langue assez classique quand on y regarde de près. Là, vous poussez le paradoxe un peu loin. Elle est presque précieuse parfois. Et c'est quand... bon un crédit qui a évolué. Voilà. Mais quand on le rythme, si vous voulez, n'est pas la valse à trois temps des écrivains NRF qui écrivaient un peu. Je vais faire une remarque très très simple, cher Vincent Tremblay-Villers, c'est le vocabulaire. Tout le débat littéraire et linguistique du XVIIe siècle a été celui entre les puristes et les laxistes. Et ce sont les puristes qui ont triomphé et qui ont abouti à Racine. Mm-hmm. Et ils ont réduit le vocabulaire à 2000 mots. Bon, ben Céline, ce n'est pas exactement ça. Céline emploie un vocabulaire illimité, à tel point que je disais tout à l'heure à David Alliot, je répète pour les auditeurs de Radio Courtoisie, que franchement, si on ouvre au hasard une page Le Voyage au bout de la nuit, il y a trois mots qu'on ne comprend pas, même si on prétend avoir un vocabulaire assez étendu. Hein. Il employait un vocabulaire très riche, du français classique, du langage médical, de l'argot, des mots qu'il inventait, etc. Oui, des mots populaires. Donc, ce n'est pas ça la langue classique. C'est une langue. Ça peut, vous pouvez dire que c'est un nouveau classicisme. Ce n'est pas le classicisme habituel. Ah, Vincent a raison parce que Céline effectivement au début écrit de façon très classique. On a retrouvé des vagues. Sa première nouvelle écrite dans les années 1917-18 qui est très classique. Effectivement, Samuel Weiss est encore très classique dans la forme, même s'il y a un souffle qui est très célinien aussi, qui apparaîtra plus tard. Voyage au bout de la nuit reste encore très classique, puisqu'il y a encore des règles dans Voyage au bout de la nuit, des règles de narration, choses comme ça. C'est après, effectivement, dans Mort et Crédit, où là va commencer, on va dire, la déstructuration complète du roman, avec encore plus de mots d'argot et de mots inventés. Mais effectivement, Voyage au bout de la nuit reste encore très précieux, très, très classique. Et vous parliez de langue classique, mais Céline admirait porter au plus haut les écrivains du XVIIe siècle, donc les écrivains classiques. Mais considérer que bien écrire, ça n'était pas en perruquer sa plume, et que c'était d'essayer de correspondre à son temps, et que la langue de Racine correspondait au temps de celle de Racine, au temps de Racine, et que la langue de Céline correspondait au XXe siècle. Oui, Françoise. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquin, qui reçoit en première partie d'émission pour parler de littérature et politique. A-t-on le droit de célébrer Céline ? David Alliot, éditeur, écrivain, Maître François Gibault, avocat, écrivain, et Vincent Trémollet de Villers, journaliste, rédacteur en chef adjoint des hors-séries du Figaro. Un auditeur, Michel Audiard, s'est inspiré de Céline pour ses dialogues et Fabrice Lucchini reprend les textes de Céline depuis une vingtaine d'années avec Salle Comble. Un auditeur, depuis l'âge de 17 ans, j'ai une grande admiration pour les romans et surtout les pamphlets qui sont une sorte d'exutoire. Céline, Cousteau et Rebattet, voilà trois écrivains ultra de la collaboration qui ont mis leur vie en danger pour des idées justes, anti-gaullistes et anti-bolcheviques. Ces hommes de génie n'étaient pas de gauche. Un auditeur, à propos de Céline, est-ce le dernier pamphlétaire grand public français ? Rebattet, vous ne l'avez pas mis dans votre liste, François Gibault, vous auriez pu l'ajouter, parce que Lucien Rebattet, avec les deux étendards, n'est pas un écrivain absolument négligeable. C'est aussi un grand écrivain. Et d'un antisémitisme presque aussi furieux que celui de ce... il est beaucoup plus tardif, enfin en tout cas, Les Décombres ont été publiés sous l'occupation allemande. Alors, Fabrice Lucchini, vous le citez, il a donné un entretien au Figaro hors-série, Vincent Trémollet-Villers. Voulez-vous commenter cet entretien ? Oui, c'est très intéressant, parce qu'on comprend, avec Fabrice Lucchini, on comprend
toute la puissance et le génie de la langue de Céline. C'est-à-dire que la langue de Céline, elle est oratoire. Il faudrait presque le lire à voix haute. Et Fabrice Lucchini a réussi à entrer dans le rythme de cette langue. Ça fait depuis 1985 qu'il dit « Voyage au bout de la nuit » et « Mort à crédit » sur différentes scènes de France et même d'Europe. Des milliers de fois. Des milliers de fois. Et donc, il est habité de ce texte. C'est vraiment impressionnant. Il en connaît des pages et des pages. Je pense qu'il connaît « Voyage au bout de la nuit » par cœur. Et donc, il a un regard critique, de critique littéraire que l'on découvre dans l'entretien qu'il nous a donné. Le regard de quelqu'un qui a passé 20 ans, 25 ans avec un texte et donc qui a eu le temps de le méditer, d'en voir les facilités et aussi les grandeurs. Et donc, je pense que pour les gens qui ne connaissent pas Céline ou qui sont intimidés ou qui sont rebutés par l'aspect apparemment déconstruit, devraient se plonger dans cet entretien avec Fabrice Lucchini parce qu'ils pourraient comprendre toute la richesse du style de Céline. Ensuite, ils iront voir Fabrice Lucchini au Théâtre de l'Atelier qui en ce moment joue et dit Baudelaire, Nietzsche et Céline. Et là, ils pourront mesurer la puissance de cet écrivain. J'ai une petite anecdote familiale mais qui va vous intéresser parce que mon grand-père qui était polytechnicien et qui était quelqu'un de très cultivé, de très intelligent, n'aimait pas Céline. Et il trouvait que Céline écrivait mal, parce qu'il n'écrivait pas dans une langue classique, et qu'il avait déconstruit la phrase, et que c'était un auteur à oublier. Et en 1985, il s'est rendu pour voir de Fabrice Lucchini, je crois que c'était à Bobigny ou à Nanterre, et il en est ressorti ébloui. Et il a ensuite placé Céline au sommet des écrivains français. Donc, je pense que Fabrice Lucchini a énormément apporté à Céline et au voyage, notamment à Mort à crédit. Parce que les romans qui suivent n'intéressent pas Lucchini, il le dit dans l'entretien. Il dit qu'il n'y a pas accès, qu'il ne les comprend pas. Et donc, il s'est arrêté à ses deux premiers ouvrages. Alors, je vais vous donner, chers auditeurs de Radio Courtoisie, un avant-goût de ce que dit Fabrice Lucchini dans le hors-série du Figaro sur Céline. Je cite donc Fabrice Lucchini. Le génie de Céline est analogue à celui de La Fontaine. Il s'exprime par l'alternance du grand style maîtrisé, héritier du XVIIe siècle, et de rupture de ton qui le voit utiliser des mots d'argot, une syntaxe familière. Quelle est son ambition? Déjouer les conventions des primitifs en restituant l'émotion de la langue parlée dans le langage écrit. Et il y est parvenu. C'est un événement colossal. Nietzsche dit « Un jour s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable ». Céline réalise cette prédiction en pulvérisant la langue des littéraires pour imposer sa poésie. Il écrit lui-même à Gaston Gallimard « Voilà du pain béni pour 100 ans de littérature ». Et Lucchini dit aussi « Céline n'est pas un écrivain de plus, il n'appartient pas à la bande littéraire, et pourtant il a inventé une forme nouvelle de littérature, il a découvert bien avant Duras, qui le méprisait, mais êtes-vous sûr d'avoir bien transcrit, qui le méprisait ou qui le méprisait ?» Non, c'est la force poétique de la répétition. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Lucchini, parce que avant Céline, il y avait Charles Péguy qui a utilisé vraiment la répétition comme un moyen incantatoire. Évident. Si on enlève les répétitions dans Péguy, il ne reste plus grand-chose. Ah, vous êtes dur. Non, mais Péguy est un grand écrivain, mais qui utilise systématiquement la force incantatoire de la répétition. Donc, sur la répétition... forme stylistique, qu'en pensez-vous, François Gibault ? Je n'ai rien contre la répétition, ça m'arrive aussi. Mais pas toujours volontairement. Non, mais comme forme littéraire. Ah, comme forme littéraire, bien sûr. Pour moi, c'est Péguy qui l'a inventé, et pas Céline. Oui, non, c'est pas Céline. Mais effectivement, c'est un mode d'écriture qu'on retrouve très, très fréquemment chez Céline. Céline revient tout le temps sur les idées, sur les répètes, il se répète, et ça donne une espèce, je ne sais pas, c'est lancinant, on est envoûté quand on lit Céline. Moi, je suis complètement envoûté. Je rentre dedans, le téléphone peut sonner, on peut m'appeler, le feu peut prendre à la maison, je reste avec le livre en main. Alors, merci. Voyage au bout de la nuit, c'est le livre qui a fait connaître Céline, 1932. Il a raté le prix Goncourt, mais il n'a pas raté le succès du public. Et finalement, on a parlé beaucoup plus de lui que de Mazeline, comme on a parlé beaucoup plus de Céline au moment des célébrations nationales que des personnes qui se trouvent dans l'annuaire. Alors, je vais vous poser une question insolente et indiscrète, chers amis, invités. Car je ne pense pas que vous soyez d'extrême gauche, particulièrement. Et je trouve que... Je m'étonne que les hommes de droite
puisse avoir une telle révérence pour Céline. Alors, une révérence littéraire, je veux bien. Et encore. Premièrement, sur le plan politique, et pour maintenir un voyage au bout de la nuit, on a un écrivain qui est pacifiste, antimilitariste, qui ridiculise les valeurs héroïques. Et me semble-t-il, bien que sa vie personnelle soit aux antipodes de ce qu'il écrit sur ce plan, qui a l'air de se moquer de la patrie et du sentiment patriotique, qui sur l'ensemble de la vie humaine développe une véritable désespérance, un nihilisme total, un refus de la transcendance, une espèce de sentiment que le monde est absurde. Et donc, les anarchistes ou l'extrême gauche pouvaient se reconnaître plus facilement dans Céline que les gens de droite. Maintenant, sur le plan du style. Alors, c'est vrai qu'il est génial. Il est génial que, bien que je n'ai pas entendu Lucchini dire Céline, la lecture du Voyage au bout de la nuit, effectivement, conduit à cette conclusion inévitable qu'on a affaire à un écrivain génial. Bien. Mais le génie est-il forcément bon ? Il y a le génie du mal aussi. Et en l'occurrence, le génie de Céline s'appliquait à détruire la langue française. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est-à-dire à traduire la beauté par sa destruction du langage, l'ennui, c'est qu'après lui, beaucoup d'écrivains de seconde zone ont cru que pouvoir s'affranchir des règles parce que Céline l'avait fait avant eux. Donc n'a-t-il pas fait beaucoup de mal à la littérature française ? Vous avez posé la deux questions. La première, vous avez cité Sarkozy et Balladur en disant, après tout, il n'y a que les gens de droite qui admirent Céline. C'est tout à fait inexact. Hein. Jean-Paul Sartre admirait follement Céline. Je pense à Aragon, je pense à Elsa Triolet. Je pense même à Serge Klarsfeld, qui très récemment a dit qu'il avait lu avec passion Voyage au bout de la nuit. Donc il n'y a pas que des gens de droite qui aiment... C'est pas ce que j'ai dit. En tout cas, des hommes politiques de droite qui se prononcent pour Céline. En ce qui concerne donc le procès gauche-droite, voilà ce que je peux dire. Je voudrais à cette occasion citer, vous m'autorisez à citer un autre de mes maîtres, Jean Dubuffet, parce que j'ai deux chevaux, en quelque sorte. Moi, je défends Céline en littérature et Dubuffet pour la peinture. Voilà ce qu'écrit Dubuffet. Il écrit deux choses. D'abord sur les célébrations nationales. Il est mort en 85, il a donc écrit ça. C'est dans Asphyxiant de culture, c'est en 1968. Voilà ce qu'il dit. On a trouvé mieux maintenant. C'est de célébrer en pompe un faux semblant d'art pour étouffer le vrai. C'est de quoi sont chargés dans les nations bien gouvernées les corps constitués de la culture. Je trouve que cette petite citation est parfaitement adaptée à ce qui vient de se passer au moment des célébrations nationales. Et puis Dubuffet, alors là, pour revenir à gauche-droite, voilà ce qu'il vous dit. L'art est par essence répréhensible et inutile et antisocial, subversif, dangereux. Et quand il n'est pas cela, il n'est que fausse monnaie, il est mannequin vide, sac à patates. Voilà. Il a écrit ça d'une manière générale, mais il a écrit ça un peu aussi pour Céline. C'était deux anarchistes, Dubuffet comme Céline. En tout cas, Céline était un anarchiste et c'est pour ça peut-être qu'il a séduit pas mal de gens de gauche. Mais alors, est-ce que les gens de droite qui révèrent Céline le font uniquement par goût littéraire pur? Bien sûr, bien sûr. Ou bien est-ce qu'ils le font pour se donner bonne conscience, d'admirer un anarchiste David Alliot, vous? Non, Céline, c'est une vision de la société aussi, c'est pas uniquement... Elle est baguée, hein. Pas toujours, ça dépend du roman que vous lisez. C'est aussi une forme de dérision, c'est une forme aussi de fantastique dans l'œuvre. Ça dépend en fait du roman. Dans Mort à crédit, qui est beaucoup plus drôle que Voyage au bout de la nuit, qui est effectivement très sombre, très triste. Voyage au bout de la nuit est quand même beaucoup plus drôle. Après, vous avez la trilogie allemande où il y a une forme de dérision. Céline se retrouve quand même dans le Troisième Reich en train de s'effondrer, donc il y a quand même quelque chose, un côté Crépuscule des dieux assez extraordinaire, avec le regard assez acide et ironique de Céline. Donc c'est quand même, c'est plus varié que ça, mais effectivement c'est d'un point de vue littéraire, c'est une vision de la société, c'est une richesse, une richesse littéraire, parce que genre chaque roman il se réinvente en permanence, non, c'est ça. Oui, mais un homme de droite attaché aux traditions est attaché notamment à la langue française telle qu'elle a été pratiquée par d'excellents écrivains avant Céline. Mais Céline, Racine n'était pas médiocre, pas plus que La Fontaine. Et ne peut-on pas reprocher à Céline, là je me fais l'avocat du diable si vous voulez, l'avocat d'Arnaud Klarsfeld ou de son père, Serge Klarsfeld, mais ne peut-on pas reprocher à Céline d'être un démolisseur de la langue?
De train démolisseur de tradition. Non, parce que... Vincent Tremblay de Villers. Il y a plusieurs choses. D'abord, Céline, ça n'est pas seulement une langue, surtout dans le voyage, c'est un regard, comme disait David, c'est une vision portée sur la société et sur l'homme, et qui n'est pas une vision de droite ou de gauche. C'est-à-dire que la vérité est une lente agonie, la seule vérité de ce monde, c'est la mort, mourir ou mentir, il faut choisir, j'ai jamais pu me tuer, moi. Ça n'est pas de droite ni de gauche. Ça, c'est une pensée anthropologique qui est acceptable par tout le monde. C'est nihiliste. Non, ça n'est pas nihiliste. Vous y passerez, moi aussi, tout le monde dans le studio. Donc la lutte entre la vie et la mort qui obsède Céline dans son œuvre est un sentiment qui habite chaque être humain. Je pense que c'est pour ça que dans le voyage, ça frappe. C'est-à-dire que le sentiment de finitude qui chez tous les êtres humains qui n'ont pas la grâce de la foi les entraîne à un certain désespoir qu'ils compensent par le rire, par l'amour, par l'argent. Céline le touche au cœur par une puissance d'évocation que les autres n'ont pas. Donc à partir de là... Là, il n'est pas de gauche ou de droite, je pense. Ensuite, sur la langue, vous avez un homme de droite, assez à droite même, très traditionnel, qui est Léon Daudet, et qui est le premier, un des premiers, David et François Hugo me diront si c'est faux, qui écrira un article élogieux sur le voyage au bout de la nuit, et on lui attribue cette phrase, je ne sais pas si elle est vraie, quand on lui a dit ce que vous nous dites, il aurait dit, en littérature, le patriotisme, je l'emmerde. Oui, mais d'accord, mais ça, j'ai vu ça, et j'ai entendu dire ça, mais je me suis dit que Charles Maurras ne tenait pas ses troupes, qu'il aurait dû ramener à l'ordre le camarade Léon Daudet, qui n'aurait jamais dû faire l'éloge, non seulement d'un livre, Voyage au bout de la nuit, qui détruisait la langue française et remettait en cause les canons du classicisme auxquels Maurras était si attaché, mais qui de plus faisait l'apologie de l'antipatriotisme, de l'antimilitarisme, du pacifisme et du nihilisme. Mais parce que des Céliniens ont absolutisé Céline, mais il détruit pas la langue française. Agrippa d'Aubigné écrit comme ça. Donc c'est une école littéraire qui est une école fougueuse, qui est une école rythmée, qui est parfois une école foisonnante, mais il n'est pas... Ensuite, on a dit on ne peut pas écrire comme on écrivait avant, après Céline, mais si on le souhaite, on le fait. Et puis personne ne va vous arrêter, puis vous vendrez peut-être votre livre. Et il y a des écrivains très classiques aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est le fait d'avoir absolutisé Céline, comme Proust d'ailleurs, qui l'a rendu insupportable à certaines personnes. Ça n'est pas le maître absolu, et il n'y a pas le passage de l'ombre à la lumière ou de la lumière à l'ombre, je pense, entre 1931 et 1933. Nous avons la chance d'avoir au téléphone... Pour les auditeurs de Radio Courtoisie, notre ami Michel de Gégère. Oui, bonjour Henri. C'est Michel de Gégère, vous êtes donc journaliste, directeur des hors-séries du Figaro. Et d'abord, laissez-moi vous dire l'admiration que je porte à vous-même et à votre équipe pour ces hors-séries du Figaro qui sont vraiment une belle réalisation chaque mois. Chaque mois, 12 fois par an, 10 fois par an? C'est 8 fois par an. 8 fois par an. C'est vraiment du bel ouvrage, et plus que du bel ouvrage. Et je dois dire que... Alors, vous étiez sur la route, vous n'avez pas entendu, mais j'ai dit à nos amis autour de la table, Marie-Françoise, David Alliot, François Gibault et Vincent Tremblay de Villers, que j'avais particulièrement admiré votre éditorial, qui est un morceau d'anthologie, et qui résume superbement à la fois le problème Céline, l'énigme Céline, qui ne... Évidemment, ne règle pas le problème de Céline, mais qui le pose admirablement. Voilà. Écoutez, vous me laissez sans voix, je regrette d'être parti à la campagne, d'avoir entendu ça en direct. Alors, j'incite évidemment tous les auditeurs de Radio Courtoisie à acheter votre Céline, une saison en enfer, hors série du Figaro, qu'on trouve dans tous les kiosques à journaux de France et de Navarre, où ils retrouveront les écrits non seulement de vous-même, et votre éditorial, mais aussi tout ce qu'a écrit François Gibault, David Alliot et Vincent Tremblay de Villers, ainsi que Fabrice Lucchini, sur Céline. Alors je vous repose la question brutalement, a-t-on le droit de célébrer Céline? Alors, sur cette question, moi je voudrais faire trois remarques qui sont chacune d'un ordre un petit peu différent. D'abord, j'ai une certaine réserve à l'égard du principe même de la célébration officielle, puisque vous savez que le départ du scandale, c'est qu'on avait inscrit Céline dans l'annuaire des célébrations officielles que publie le ministère de la Culture. Notre époque a la manie des anniversaires, et ça a quelque chose finalement de sympathique, puisque ça pourrait revenir à célébrer notre héritage intellectuel, à manifester notre piété filiale à l'égard au fond des géants sur les épaules desquels nous sommes assis. Mais le plus souvent, elle ne s'en mêle que pour transformer ses vertus en espèce de réflexe compulsif
visant à la consommation de masse. Alors il y a eu l'année Hugo, il y a aujourd'hui l'année Céline, on a eu l'anniversaire du débarquement, on a eu l'anniversaire de la guerre de 14. C'est généralement violent, assez superficiel et aussitôt oublié. C'est-à-dire que c'est une démarche au fond très très moderne qui avait été résumée il y a quelques années par Georges Lafly dans une chronique où il écrivait de façon amusante « N'allez pas écouter du Beethoven pendant l'année Mozart, on vous jetterait des pierres ». Cette réserve, elle est d'autant plus grande à l'égard du concept même de célébration officielle, parce que célébration officielle veut dire célébration qui est au fond décrétée par l'État, et je ne vois pas bien pourquoi ce serait l'État qui devrait nous dire ce qui doit être remémoré, ce qui doit être médité, et ce qui n'en est pas digne. L'État et ceux qui le gouvernent, et d'ailleurs ils viennent de le prouver à propos de Céline, ne sont pas compétents pour cela. Et donc cette alliance du commerce et de l'administration, du libéralisme marchand et du dirigisme étatique me paraît assez symptomatique de notre temps, et pour tout vous dire, elle ne me plaît pas beaucoup. Mais lorsqu'il s'agit de Céline, il me semble que ça devient proprement dérisoire. Là, je vais enfoncer des portes ouvertes après les propos qu'ont certainement, très savants, qu'ont certainement tenu vos invités. Mais enfin, je pense que j'ai entendu la fin de votre discussion avec Vincent Trémollet de Villers, et je pense que on peut être d'accord les uns et les autres en disant que, au moins que Céline est d'une nature anarchiste ou anarchisante, ou disons anarchique, comme en témoigne d'ailleurs le rythme de sa langue, et que toute son œuvre est une remise en cause implacable des impostures, des attitudes convenues, des conventions politiques et sociales, des grandeurs d'établissement. Alors dans ces conditions, faire de lui le sujet ou l'objet d'une commémoration officielle, il me semble que c'est joué complètement à contre-emploi. C'est un peu comme si on donnait la Légion d'honneur à Ravachol, si on offrait un titre de propriété pour un pavillon de banlieue à Proudhon. C'est à mon avis ridicule et dérisoire en soi. Céline n'a pas besoin d'être célébrée, c'est nous qui avons besoin de le lire. Voilà, donc c'est une réponse. Ça, c'est une première réponse qui vise le caractère général de cette célébration. Après, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se pencher un instant sur les raisons qui ont amené le ministre de la Culture à renoncer à cette célébration. Vous observerez que ce sont des raisons morales. Seule raison. Voilà, c'est en fait parce que on nous dit Céline ne peut pas être célébrée parce que c'est un antisémite et un sale type. Hein. Alors c'est tout de même assez, ça mérite quand même d'être relevé parce que il me semble que cela fait des années, des décennies. Moi, on me l'a expliqué tout petit à l'école que l'on nous répète que l'art et la morale n'ont rien à voir. On en a un exemple tout récent. Vous savez qu'il y a une très belle exposition au musée d'Orsay qui s'ouvre ces jours-ci sur Manet, exposition à laquelle nous avons consacré un autre numéro du Figaro hors-série. Et que je vous recommande, à la fois leur série et l'exposition, et toute la bibliographie autour, tous les commentaires autour de Manet consistent à dénoncer la bêtise des académiciens qui n'ont pas vu le génie de Manet parce que son œuvre était immorale, parce que le déjeuner sur l'herbe, eh bien, avait fait scandale, parce qu'il, au lieu de nu à l'antique, eh bien, il montrait une partie fine en étudiant, une espèce de partie carrée avec une femme nue au milieu d'un pique-nique. Son Olympia avait fait scandale de la même façon parce qu'elle représentait une prostituée, et on nous dit que les académiciens, ces imbéciles, l'opinion dominante de cette époque révolue, eh bien, avaient refusé de voir que ces chefs-d'œuvre avaient une valeur artistique parce qu'ils étaient empêtrés dans l'ordre moral, alors que nous, qui sommes affranchis, eh bien, nous savons repérer le génie, nous sommes bons, alors que nos pères étaient des crétins. Et on observe dans le cas de Céline, eh bien, qu'à la première occasion, nous tombons dans le même panneau. C'est qu'en réalité, nous n'avons pas du tout abandonné l'idée que l'art devait s'incliner devant la morale, mais nous avons changé de morale, et évidemment, tout ce qui tourne autour de la morale familiale du 19e siècle nous fait sourire. En revanche, notre morale a un article et un seul, c'est qu'il ne faut pas être raciste, qu'il faut être antiraciste, et que c'est très mal d'être antisémite. Alors naturellement, c'est très mal d'être antisémite, là nous serons tous d'accord, mais il est quand même paradoxal que ce soit le seul article de la morale avec lequel on ne rigole plus, avec lequel la morale reprend ses droits, parce que c'est la nouvelle morale. Hein. Non plus la morale de papa, que tout le monde peut bafouer sans que ça ne gêne personne, mais la morale de maintenant. Alors ça me paraît déjà une constatation intéressante dans le scandale dont Céline fait l'objet.
Je dirais que du point de vue de Lévi-Strauss, on voit un changement de civilisation entre nos pères et nous. Ça n'est plus la même chose qui est morale, mais ça nous révèle que notre société qui prétend être libertaire, eh bien, est aussi moralisante que les précédentes. Simplement, elle l'est au nom d'une morale qui a changé de principe. Et c'est si vrai qu'à l'époque de Céline, ces pamphlets antisémites, qui sont bien entendu odieux, mais avaient été accueillis comme des blagues un peu lourdes, tandis que son anarchisme, dont vous parliez il y a un instant, eh bien, avait été jugé par beaucoup démoralisant, alors qu'aujourd'hui, cet anarchisme est au fond assez bien porté, il est porté à son crédit. En revanche, on feint de croire que ces blagues antisémites auraient fait de lui un précurseur de la Shoah. Alors c'est vrai que ces pamphlets antisémites sont insupportables, ils sont intéressants et ils sont finalement assez fascinants dans la mesure où ils procèdent de la logique du bouc émissaire, qui est justement la logique qu'au fond dénonce toute l'œuvre de Céline. Si l'on revient un instant sur Le Voyage au bout de la nuit, eh bien, on voit que le personnage de Bardamu, qui est le personnage principal et le personnage positif du roman de l'œuvre, est sans cesse le bouc émissaire de la violence du monde, de la violence de la guerre de 14, de la violence de l'industrialisation, de la violence de la société moderne, et l'œuvre de Céline est une dénonciation de cette logique du bouc émissaire. Et dans ses pamphlets antisémites, eh bien Céline lui-même cède à cette logique de bouc émissaire. C'est évidemment une contradiction incroyable, mais qui procède d'une espèce de paranoïa de Céline. C'est vrai que son antisémitisme a quelque chose de paranoïaque, mais ce qu'on peut observer, c'est que toute son œuvre se nourrit en réalité de cette paranoïa, puisque le ressort au fond profond de l'œuvre de Céline, c'est justement de faire le vide, de dénoncer les tartufferies qui domine le monde, et qu'au passage, il lui est arrivé plus d'une fois d'avoir la main lourde, de fustiger ou de ridiculiser des valeurs, des réalités, des institutions, des peuples tout à fait respectables. Et Céline est antisémite, c'est un conte, mais on n'a pas l'air de s'apercevoir qu'il est aussi antimilitariste, antipatriote, anti-français, anti-allemand, anticapitaliste, anticommuniste, anticolonialiste, anti-chrétien, anti-bourgeois. Bref, il est anti-tout. Et donc, s'arrêter à l'objet de telle ou telle de ces invectives, c'est n'avoir rien compris à Céline, puisque ces invectives sont au fond le reflet d'une déception, d'une révolte contre le mensonge, révolte excessive bien sûr, mais dont l'excès même est le carburant de sa verve épique. Rabelais aussi est excessif, et Shakespeare est excessif, Shakespeare qui est d'ailleurs antisémite, comme Voltaire, comme Renan, comme tant d'autres. On n'en aurait pas fini s'il fallait expurger tous les antisémites de l'histoire de la littérature. Donc il ne s'agit pas de défendre, de justifier tout ce qu'écrit Céline, bien entendu, mais de justifier une vision de la littérature qui sorte de cette espèce de manichéisme bené de notre époque, sa recherche de bon très bon et de méchant très méchant, sa volonté de réduire tout à deux catégories, les très méchants qui forcément n'ont pas de talent, et les très bons qui seraient à la fois des saints et des génies. Et bien la vie c'est pas comme ça. Hein. Ce que met en lumière le cas Céline, et que nous avons voulu explorer tout au long des 114 pages de ce Figaro hors-série que nous avons consacré à Céline, et bien c'est au fond la complexité des êtres et des choses, la complexité de la vie, qui voit l'entremêlement de la générosité et de la bassesse dans le même homme, de la profondeur et de la superficialité parfois, de l'aveuglement et du génie. Et si nous arrivons à en convaincre nos lecteurs, eh bien je pense que nous n'aurons pas fait œuvre tout à fait inutile. Alors je voudrais quand même, Michel de Jaugère, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, en rajouter une louche, parce que dans votre beau hors-série, je vous pose la même question d'ailleurs à tous mes invités, Vincent Tremblay de Villers, David Alliot et François Gibault. Dans votre hors-série, vous vendez la mèche, car on nous disait, non, si David Alliot n'a pas été dans ce sens-là bienveillant pour Céline, oui, mais il n'a pas voulu que ses pamphlets antisémites fussent réédités après la guerre. Peut-être, mais vous écrivez, c'est sous la plume de Natacha Renner, dans votre hors-série, Michel de Jaugère, vous donnez une citation de Céline, une lettre qu'il a envoyée en 1949 à Jean Paulhan, à propos de Proust, Marcel Proust. Et voici la citation de Céline. Juif, homosexuel, mondain. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est une citation de Natacha Renner.
juif homosexuel mondain, voici déjà quelques bonnes raisons pour Céline de ne pas aimer Proust. Et voici la citation de Céline. Ah, Proust! Je demande pardon aux auditeurs de Radio Courtoisie, je cite Céline, donc ça n'est pas forcément convenable. Ah, monsieur David Alliot me fait un signe en touchant le cochon, c'est uniquement pour les mots anglais, les mots grossiers ne justifient pas d'une amende. Citation de Céline. Ah, Proust, s'il n'avait pas été juif, personne n'en parlerait plus. Et enculé, et hanté d'enculerie. Il n'écrit pas en français, mais en franco-yiddish, tarabiscoté, absolument hors de toute tradition française. Il faut revenir au mérovingien pour retrouver un galimatia aussi rebutant. Fin de citation. Donc, critique. On trouve une critique sur le style de Proust, un peu du même genre, d'ailleurs, dans ce que j'ai dit de Céline, qui reproche à Proust de faire des longues phrases tarabiscotées, voilà, que Céline, je cite, appelle du franco-yiddish tarabiscoté. Fin de citation. Alors, là, c'est en 1949, donc ça semble prouver quand même que ces sentiments antisémites ne s'étaient pas évaporés en 1945, ou retour en France. Michel Legère ? Oui, je ne prendrai pas... François Gibault n'est pas d'accord. Je ne prendrai pas Céline comme modèle ni forcément de critique littéraire, ni de jugement sur les personnes, parce qu'il dit souvent sur les mêmes personnes, le tout et son contraire. Il y a d'autres passages qui sont élogieux sur Proust. Là, vos interlocuteurs, vos invités sont plus savants que moi, ils pourront certainement vous les citer. Et Proust est l'un des seuls écrivains qui soit cité dans Le Voyage au bout de la nuit. Si vous voulez, il y a aussi une espèce d'affrontement de géants, de dispute de numéro un, si je puis dire. Et je pense que il y avait aussi chez Céline la conscience que Proust était l'un des seuls écrivains qui soit un inventeur à la hauteur de ce que lui avait inventé. Il y a une interview télévisée qui a été faite et qui était reprise dans un DVD qui est dans le commerce, et au cours de cet entretien on interroge Céline sur tous les grands écrivains du XXe siècle et il les repousse chaque fois d'une chiquenaude en disant que c'est insignifiant, que ça ne vaut rien, etc., etc. Bon, là-dedans, il y a un tas de gens tout à fait honorables et qui ont des œuvres tout à fait consistantes. Donc, si vous voulez, la subjectivité de Céline est telle qu'on ne peut pas prendre son jugement comme modèle. C'est pas pour cela que nous l'admirons. Encore une fois, même lorsqu'il parle de Proust, eh bien, ça n'est pas à prendre au premier degré. Cela relève aussi de cette espèce de paranoïa dont il se sert comme ressort d'une verbe, je dirais, presque comique. Alors, j'aimerais que sur ce sujet... les invités qui sont autour de la table puissent s'exprimer. François Gibault. Moi, je partage entièrement ce qui vient d'être dit. C'est très simple, je trouve ça parfait. Céline, le petit passage que vous avez lu qui est absolument tendant sur Proust, bon, il a écrit en d'autres occasions sur Proust, à peu près toujours dans le même style. Il faut savoir que Céline avait du mal à se départir d'un humour qui était terrible, hein, un humour qui tuait. Et bien là, voilà, Céline écrit sur Proust et c'est absolument tendant et ça montre que c'est un homme d'esprit qui est très 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 intelligent, même si il emploie le mot juif ou il emploie le mot yiddish. C'est pas pour ça que c'est une démonstration d'antisémitisme. François Gibault, moi je voudrais vous mettre, vous pousser dans le retranchement. Car quand je lis le livre de David Alliot, donc Céline, idée reçue sur un auteur sulfureux, je vois ceci. Serge Julie, à l'époque directeur de Libération, a déclaré au micro de France Inter « Je suis de la génération élevée dans l'existentialisme. Mais pour le style du journal qui s'est démarqué de celui des autres journaux, il faut remonter à Céline, car c'est lui qui a écrit pour le peuple, qui a écrit en langage parlé, c'est lui le premier, c'est lui la révolution. » Fin de citation de l'ami Julie. Alors Julie est un maoïste, ex-maoïste, gauchiste, passé à la gauche caviar. Il dit que Céline, c'est la révolution. Et malheureusement, quand on lit Voyage au bout de la nuit, je me réfère à l'un des seuls livres de Céline que j'ai lu, mais enfin, ce n'est pas le moindre, c'est quand même la révolution. Alors, est-ce que ça ne vous gêne pas d'être en compagnie de Serge Julie parmi les admirateurs de Céline, François Gibault? Dis-moi, je ne suis pas, en tout cas, vous parlez d'admirateur, je ne suis pas un admirateur inconditionnel de la société française. Que ce soit celle de 1932 lors de la publication des Voyages au bout de la nuit ou que ce soit celle d'aujourd'hui. Voyage au bout de la nuit, c'est un pamphlet.
C'est un roman, mais c'est aussi un pamphlet. C'est une charge formidable contre la société de l'époque, et je constate, hélas, que la société d'aujourd'hui n'a pas changé, malgré Voyage au bout de la nuit. Ce ne sont pas les écrivains qui vont changer la société, ça j'y crois pas. Alors David Alliot et Vincent Trémollet de Villers, Michel de Gégère, cela vous plaît-il d'être en compagnie de Serge Julie parmi les admirateurs de Céline? C'est le génie de l'écrivain, c'est-à-dire qu'il transcende complètement les bords politiques ou autres. On peut être effectivement d'extrême gauche, anarchiste, de droite, d'extrême droite, et trouver Céline... Oui, mais attention, Serge Julie vous dit, moi j'admire Céline parce que c'est la révolution. Oui. Bon, est-ce que peut-être admire-t-il Socrate aussi? Peut-être admire-t-il Socrate aussi, Serge Julie. Alors, parce qu'il admire Socrate, on ne devrait plus admirer Socrate. Ouais, je pense qu'on ne définit pas ses goûts en fonction des erreurs des autres, ni en fonction des autres. On définit ses goûts en fonction de la valeur objective des choses. Non, mais le voyage au bout de la nuit, je pense que... Pardonnez-moi, Vincent, mais je ne dis pas simplement que c'est le goût de Serge Julie, dont effectivement on peut se moquer. Je dis que Serge Julie pose un diagnostic politique. Il dit... Céline, c'est la révolution. Oui. Et malheureusement, je trouve que quand on lit Céline, on n'est pas loin de cette... Mais... Parce que même ces pamphlets antisémites, hein, vous savez, l'antisémitisme a commencé à prospérer à gauche à la fin du XIXe siècle en France. Hein, donc, ça n'est pas une marque spéciale de la droite. Mais je pense que François Gibault a absolument raison, c'est-à-dire que c'est un pamphlet, et que peut-être la société des années 30, qui avait les apparences de l'institution et la respectabilité, était absolument vermoulue. C'est ce que Proust montre merveilleusement dans ses livres aussi, parce que Proust est un auteur révolutionnaire dans ces cas-là. Et peut-être avait-on le droit de montrer les impostures du temps. Radio Courtoisie. Radio Courtoisie. Et Marie-Françoise. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquin qui reçoit en première partie d'émission pour parler de la littérature et la politique. A-t-on le droit de célébrer Céline? David Alliot, éditeur, écrivain. Par téléphone, Michel de Gégère, journaliste, directeur des hors-séries du Figaro. Qui est toujours là, j'espère. Oui, toujours. François Gibault, avocat, écrivain, et Vincent Trémollet de Villers, journaliste, rédacteur en chef adjoint des hors-séries du Figaro. Un auditeur à Michel de Gégère. L'art ne doit pas s'incliner devant la morale. La morale doit être partout présente, y compris dans l'expression artistique, qui ne doit pas provoquer à la dégradation de l'homme, ni chez l'artiste, ni chez celui qui ordonne les œuvres. J'ajouterai pour Michel de Gégère que cette remarque de l'auditeur fait le procès de Manet qui, dans son Olympia, a offensé plus que la décence. De Velázquez, avant lui, ouais. Qui dans sa Vénus... Bon, on va... Un auditeur, la position de Léon Daudet concernant Céline et le voyage au bout de la nuit n'est-elle pas une preuve que les grands esprits de droite sont ouverts? Souvenons-nous de la phrase de Louis Powells, l'esprit c'est comme les parachutes, ça ne fonctionne que si c'est ouvert. Un auditeur, ceux qui ont interdit la commémoration de Céline sont les mêmes que ceux qui ont interdit à la municipalité de Paris de baptiser une rue du nom de Solzhenitsyn. Un auditeur, il y a dans une certaine extrême droite révolutionnaire un goût certain pour Céline par antichristianisme et par nihilisme. Monsieur de Lesquin, en vous entendant, vous raisonnez exactement comme un bourgeois de droite, ce qu'il ne faut surtout pas faire avec Céline. Un auditeur, vous parlez de droite et de gauche en littérature, qu'entendez-vous par droite et par gauche? Un auditeur, Céline aurait dit dans Bagatelle pour un massacre que le bon picrate français aurait contribué au déclin de la race française. Un auditeur, j'ai remarqué que les lecteurs de Céline n'aimaient pas lire Ernst Jünger et inversement. Pouvez-vous nous parler du procès entre Céline et Jünger? Un auditeur, où peut-on trouver la biographie ou la thèse sur Semmelweis écrite par Céline? Alors ça fait Gallimard. Attendez la fin des questions. Un auditeur, bravo pour cette émission sur Céline. Je suis sûr que Céline nous entend de l'au-delà et que le Christ l'apprécie beaucoup. Alors, réponse aux questions. Alors, on me passe d'abord un message. On me demande si la veuve de Céline est toujours vivante. Oui, j'ai dîné avec elle hier soir. Elle a 98 ans et demi. Elle se porte très bien et très intelligente. Lucette Destouches est toujours vivante. Lucette Destouches, elle vit dans la maison de Céline à Meudon. Elle a une excellente mémoire et elle a gardé une fraîcheur d'esprit extraordinaire. Voilà. Est-ce que je peux répondre à une autre question? Vous avez la parole, cher François. Sur le Céline révolutionnaire, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut être de droite alors et aimer Céline parce que c'est un révolutionnaire?
C'est un révolutionnaire parce qu'il montre une horrible vision de la société de son temps. Mais il n'est pas seul. Molière, vous trouvez qu'il donne une jolie impression de la société de son temps ? La Rochefoucauld, Pascal. Enfin voyons, Balzac, Zola, Victor Hugo. Vous trouvez que ce sont des gens qui ont donné une bonne impression de la société de leur temps ? Ce sont eux aussi, en décrivant la société telle qu'elle est, et quelquefois même en allant un peu plus loin, je pense à Balzac notamment, eh bien je pense que ce sont eux aussi des révolutionnaires, un peu comme Céline. Réponse aux questions. François Gibault, on sent l'avocat quand même, quand il est biographe, il est critique littéraire, mais en même temps il a le talent de la plaidoirie. Un art consommé. Et nous pouvons même citer Balzac en anglais, qui dans sa préface du Père Goriot dit « Holy Strew ». Oh, puis quel accent, Marie-Françoise. C'est la première fois que vous prononcez un mot d'anglais à l'antenne de Radio Courtoisie. C'est une citation de Balzac. On vous épargnera l'amende, mais j'ai presque compris. « Holy Strew », tout est vrai. Tout à fait. Quand David Alliot. Céline est révolutionnaire, il a complètement révolutionné le roman, la forme de la trame narratrice et toutes ces choses-là. Dans Le Voyage au bout de la nuit, il montre la société. Alors effectivement, Zola l'avait montré avant d'écrire la société. Mais Céline la montre dans sa noirceur, dans ce que les gens de plus mesquins, dans l'inéluctable de la mort, comme l'a dit tout à l'heure Vincent. Donc c'est ça en fait le grand apport de Céline, c'est de montrer la société réelle telle qu'elle est, mesquine, pas forcément belle à voir, ou dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'espoir non plus, forcément. Vincent Trémollet de Villers. Alors pour répondre aux questions, moi je pense être un bourgeois de droite, comme vous, comme ce que dit l'auditeur, et j'ai une très grande admiration pour Céline, donc je pense que les deux sont pas incompatibles. Moi je ne raisonne pas en termes de lutte des classes, donc non, mais moi non je me conçois d'abord comme français, catholique, et pas moi comme aussi, bourgeois, mais c'était du deuxième degré. J'ai le souvenir d'une conversation qu'a eu quelqu'un que j'aime bien avec Gustave Thibon, qui lui disait que dans le regard que Céline portait sur l'âme humaine, et sur l'homme qui a chuté après la chute originelle, on pouvait voir chez Céline des morceaux de docteur de l'église. Donc ça montre quand même l'extraordinaire richesse de cet écrivain. Oui, voilà. Bon, alors écoutez, j'aimerais quand même, avant que nous quittions le sujet Céline, qui est un sujet immense, vous interroger sur le point de vue purement littéraire. Parce que Céline a un point commun avec Proust, c'est que tout ce qu'il écrit en dehors de ses pamphlets, qui ne sont pas des romans, ses prétendus romans sont en fait des autobiographies, totalement imaginaires, c'est-à-dire reconstruites. Par exemple, il s'invente une enfance malheureuse alors que ses parents étaient vraiment de très bons parents, en tout cas qu'il l'aimait beaucoup et qu'il le chérissait. Mais n'est-ce pas une faiblesse, une limite, une carence de Céline comme de Proust, de n'avoir su écrire qu'à propos de leur propre vie? Quand Balzac écrit Père Goriot, je ne sache pas qu'il raconte sa propre vie. Mais pourquoi un romancier devrait-il être ainsi limité à sa propre existence? D'ailleurs, David Alliot explique dans son livre Céline, il est reçu sur un sulfureux, qu'à un moment donné, il fait un pamphlet parce qu'il n'a plus dans sa vie personnelle de quoi donner la matière d'un roman. Alors n'est-ce pas quand même une faiblesse de l'écrivain? Il y a des écrivains d'imagination, puis il y a des écrivains qui ne sont pas d'imagination. Eh bien, Céline n'est pas un écrivain d'imagination, comme Proust. Alors, ils imaginent, parce qu'ils plaquent sur la réalité qu'ils ont vécue, des quantités de choses qu'ils inventent, on améliore, on enjolive, ou plutôt on noircit pour Céline. Mais à la base, tout est vrai. Voilà, c'est pourquoi l'œuvre de Céline est une œuvre autobiographique. C'est donc, la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai éprouvé un immense plaisir à écrire sa biographie, puisque c'était d'autant plus intéressant. En fait, c'est vous qui avez écrit la vraie biographie, puisque sa biographie, ses livres sont des biographies inventées. Ses livres sont des... Il fallait rétablir la vérité, inventées. N'est-ce pas? Dans Céline, par exemple, Jean Paul, qui était un de ses amis à Montmartre, avait perdu une jambe à la guerre de 14. Et bien, il en fait un cul de jatte. Voilà, ça c'est tout Céline. Voilà, on force le trait, on noircit, on aggrave. Sa mère, qui avait une légère boiterie, elle tire la jambe, elle est devenue une épouvantable boiteuse. Bon, enfin, tout est forcé, tout est grossi, tout est comme ça. Ça, c'est Céline. Ouais. Mais vous ne trouvez pas que c'est une faiblesse? Je trouve que c'est aussi une force. Hein. Ouais.
Pas de c'est une livre. Force formidable de pouvoir, il y a tant de gens qui racontent leur vie comme ça. Je suis descendu ce matin, j'ai été acheter mon lait, mon pain, puis je suis remonté chez moi. Ça n'a aucun intérêt. Les choses deviennent intéressantes quand on commence à forcer le trait et à raconter les choses fantastiques. Alors voilà, l'œuvre de Céline, elle est absolument fantastique. Voilà, mais à partir de sa propre... ses prétendus romans sont en fait des biographies, des autobiographies reconstituées. C'est presque toujours à partir de ses vécus. Il a eu aussi une vie, sa vraie vie, hein, pas celle qu'il a romancée, mais il a aussi une vie extraordinaire. Donc quand vous avez une vie extraordinaire, c'est un sujet de roman aussi intéressant que ce que vous pouvez imaginer quand vous êtes dans votre bureau. Alors, c'est vrai, qu'est-ce que je vais raconter. C'est vrai que la vie de Céline est extraordinairement romanesque. Elle est quand même très compliquée. Oui. Il a roulé sa bosse, oui. Il est allé un peu partout, il a été dans les colonies, il est allé aux États-Unis, il est allé... Lui qui était un anti-impérialiste, un anti-colonialiste, un anti-américain, entre parenthèses, ses pages anti-américaines dans Voyage au bout de la nuit sont extraordinaires. Oui. Hein, magnifique. Mais ça m'a fait penser à Georges Duhamel dans ses scènes de la vie future, qui sont aussi extraordinaires contre les États-Unis. Eh bien, dans ses ouvrages, Céline donc raconte une vie qui est extrêmement riche, extrêmement diverse, extrêmement riche et pleine de péripéties étonnantes. Peu de gens ont vécu sans avoir été au sommet de la gloire, avant évidemment d'obtenir la gloire littéraire, il a quand même, roulé sa bosse. Enfin, quand par exemple il se retrouve à Sigmaringen, donc la fuite de Paris jusqu'à l'arrivée au Danemark, ça occupe quoi, on va dire 8 mois de sa vie, ça occupe 3 romans complets dans son œuvre. Et Céline se retrouve dans Sigmaringen. Il fait de Sigmaringen un théâtre assez extraordinaire quand même. Céline a dit d'ailleurs, d'une manière plus générale, toutes les vies sont des romans. Une biographie, ça s'invente. Ça s'invente, oui, il a dit ça à Arletty. Une biographie, ça s'invente. Alors, bon, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons quitter Céline, mais sans le quitter vraiment, parce que je pense que vous avez compris que Céline est une énigme dont on n'a pas fait le tour. Et vous comprendrez mieux Céline en le lisant, bien sûr, en commençant par Voyage au bout de la nuit, en lisant François Gibault, sa biographie aux éditions du Mercure de France. Mercure de France. Céline, en 3 volumes. En 3 volumes. Bien. La biographie qui fait autorité. En lisant les livres de David Alliot, A2LIOT, dont le dernier s'appelle Céline, il est reçu sur un auteur sulfureux. Et c'est très amusant parce que c'est une série de coups de projecteur et c'est très agréable à lire, très, très, très intéressant sur Céline et ça permet de découvrir beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses. Et bien sûr, bien sûr. David est modeste, je vous coupe, mais il vient de publier avec une préface de François Gibault un remarquable ouvrage de la collection Bouquins chez Robert Laffont qui s'appelle D'un Céline l'autre, avec des témoignages de toutes les personnes qui ont rencontré Céline. Il aurait dû venir avec cet ouvrage, je l'aurais cité évidemment. Mais ça se vend tellement bien qu'il y en a plus. Je reviens la semaine prochaine donc, pour en parler dans une autre émission. Donc. Dans quelle émission alors Avec M. Brochard. Avec Didier Brochard. Et donc, évidemment, précipitez-vous, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, sur le hors-série du Figaro, Céline, une saison en enfer, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup, et nous passons tout de suite à un sujet différent, mais pas si différent que ça d'ailleurs, les Bobardeurs. Radio Courtoisie.